anti-lifty. Scoop Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y. Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Des pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo, Léo. Léo, le camion curieux. Le robot rouge est en train de charger le van. C'est terminé. Tu peux débrancher la prise. Les autres robots chargent de lourdes boîtes dans le coffre. Oh, il y a un problème avec le pneu. Regardez, il faut regonfler la roue. Ils l'ont ignoré. Et ils s'en vont. La voiture s'écrabouille. Oui, oui, oui. La voiture est en panne. Ça va mal. Et qui pourrait m'aider? Me dépanner. J'appelle un ami non loin d'ici. Robot, conduire avec un pneu crevé peut être très dangereux. Impossible même. Le pneu n'a pas tenu et a éclaté. Oui, changer le pneu pour un nouveau est une bonne idée. Le robot rouge enlève le pneu endommagé. Dévissons les écrous. Maintenant, nous devons soulever légèrement la voiture. Oh, c'est lourd! Les robots ne peuvent plus soutenir le van. Bonjour les robots, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites un pique-nique? Non Léa, les robots veulent remplacer leurs pneus crevés. Mais ils ne peuvent pas soulever le van. Ok, avons-nous besoin d'une dépanneuse? Pourquoi? Il y a un pneu de rechange ici. On peut réparer le van ici. Fabriquons un cric. Ils peuvent soulever le van avec un cric. C'est exactement ce dont les robots ont besoin. Décharge les pièces, Léo. Une plateforme rouge. Des petits trous pour que le cric puisse passer sous le van. Un plateau jaune qui se soulève. Une fixation métallique pour attacher les deux pièces. Un patin en caoutchouc rond qui maintient soigneusement le van en hauteur. Et un levier. Notre cric est prêt. Changez la roue! Le robot fait rouler le cric sous le van. Et appuie sur le levier. Oh, regarde! Le van se soulève. Ça va le faire! Il est temps de mettre la nouvelle roue en place. On va serrer les boulons un peu plus fort. Mettons le capuchon. Ok, il est temps de descendre le van. Le pneu crevé est dans le coffre. Les caisses sont en place. Les robots sont prêts à partir. Merci les amis. Pas de soucis. N'oubliez pas le cric. Ils ont aussi mis le cric dans le coffre. C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous entendez par « pas important »? Je vois que vous avez un pneu crevé. Vous ne pouvez pas conduire. Il vous faut une pompe. Où est-ce qu'ils vont? Je vais chercher une pompe à la maison.
Lifty et Scoop sont venus au parc d'attractions pour sauter sur le château gonflable. C'est mon tour. Les robots, non! Vous voulez prendre la pompe du parc d'attractions? Le château gonflable va s'écrouler instantanément. Oh! Stop! Ce n'était pas moi! Robot, qu'est-ce que vous avez fait? Leur pneu est à plat et ils ont besoin d'une pompe pour le réparer. Mais ils ne peuvent pas prendre cette pompe. Ils en ont besoin pour que le château fonctionne. Alors, remettez-la en place. Hey! Scoop, ne te fâche pas. Les robots ont besoin de gonfler leurs pneus. Ok, allons jeter un coup d'œil. Léo cherche une pompe chez lui. Ah, ça, ce sont des rouages. Pas ça. J'ai trouvé! Va vite apporter la pompe au robot, Léo. Bonjour! Tout est prêt! Et la pompe aussi! Mettons le tuyau sur la buse et actionnons la pompe. Le pneu a été regonflé. On peut y aller! Allons jouer sur le château gonflable! Et ils repartent. Jusqu'à la prochaine fois. Les gentils Lifty, Scoop Robo et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y! Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Des pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo, le camion curieux. Ceci est un téléphérique. C'est très utile pour monter dans les montagnes et redescendre. Le téléphérique ne fonctionne pas. Regardez toute la neige qui est tombée dessus. Les voitures sont venues pour faire un tour. Regardez toute cette neige. Il a neigé toute la nuit. Léa n'est pas contente. Lorsqu'il y a beaucoup de congères, ce n'est pas facile de skier. Est-ce que vous pouvez mettre les télécabines en marche? Oh là là! Les robots ont été ensevelis sous la neige. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes coincé? Scoop a sauvé les robots de la congère. Bonjour. On dirait que nous n'allons pas pouvoir monter aujourd'hui. On n'abandonne pas, les amis. Maintenant, on va construire une chenillette. Une chenille... Quoi? C'est le moment d'aller chercher les pièces. Léo veut construire une chenillette. Une chenillette a des chenilles à la place des roues. Elle dégage les congères des pistes et nivelle la neige pour que tout le monde puisse skier. Voici les pièces. Décharge-les, Léo. Un gros châssis noir. La cabine. Le siège du conducteur. Le pare-brise et les rétroviseurs. Les phares et un gyrophare. Les portes.
une autre partie de la carrosserie. Et là, nous fixons le rouleau qui va aplatir la neige derrière la chenillette. Les roues ressemblent à des engrenages. Elles vont faire tourner les chenilles. Est-ce que tout est prêt, Léo? Le robot s'est assis sur le siège du conducteur. Attention! La chenillette n'a pas nivelé la congère. Elle s'est enfoncée dans la neige. Il faut un chasse-neige pour dégager l'avant. Viens avec moi! Il y avait un chasse-neige quelque part ici. Bonne idée, Léa. Avec un chasse-neige, la chenillette peut niveler les congères. C'est vraiment la plus belle des pelleteuses. Ce chasse-neige est trop petit. On a trouvé. Bien joué. Ce chasse-neige empêchera la chenillette de s'embourber dans les congères. Léo, installe-le. C'est prêt. Les robots, c'est parti. La chenillette a plané toute la neige de la montagne. La piste est prête. Venez vite, allons faire un tour. Léa monte au sommet avec le téléphérique. C'est Lucky, le lapin. Les robots descendent sur leur snowboard. Regarde, dans le ciel, il y a un hélicoptère avec un gros chargement. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Des biscuits? Scoop a apporté des cookies pour tout le monde. Quelle belle excursion dans la montagne! Les gentils lifties, Scoop Robot et Léa s'amusent dans la cour et font la course. Allons-y! Et ils fabriquent des jolies petites autos avec roues, moteur, capot. Les pièces à monter sont sur Léo le camion. Léo! Léo! Léo, le camion curieux. Léo? Scoop! Il y a quelqu'un? Il y a des plantations ici. Hein? Oh! Un ballon a heurté Léa. Je me demande qui joue au foot. Hein? Bonjour! Lance-nous le ballon. On devrait essayer de jouer ailleurs. Il y a des légumes qui essaient de pousser ici. Regarde. Oh oh, les feuilles tombent. Les légumes n'ont pas assez d'eau.
Oh, je n'ai rien fait. Ce n'est pas toi, Scoop. Les légumes ont besoin d'eau pour pousser et il n'a pas plu depuis longtemps. Oh, il fait chaud. Essaye d'arroser le carré. Les feuilles ne tombent plus. Bonjour. Bonjour. Les voitures, Léa a trouvé votre ballon. Vous pouvez retourner jouer au foot. Léa, tu ne vas pas avec eux? Léa est contrariée à cause des plantes. Elle est restée pour s'en occuper. Mais les robots ont très envie de jouer au foot. Lifty est gardien de but. Hein? Ouf, même dans les buts, il fait chaud. Hein? Faisons une pause. Il est temps de se rafraîchir. Scoop a apporté de la glace. Mmh. Et Léa amène de l'eau. Léa, viens jouer. Je ne peux pas. Je suis occupée, tu ne le vois pas? Qu'est-ce que tu fais? Je vais sauver les plantes. Léa n'est toujours pas là. Besoin d'aide? Je vais me débrouiller. Oh. Mmh. Continuons à jouer. Scoop! Attention! Léa arrose les parcelles avec son gros arrosoir. Il n'y en a plus? Le champ est vraiment grand. Ils vont devoir assembler un camion à eau. Sa citerne peut transporter beaucoup d'eau. Quelqu'un veut aider? Allons-y alors. Hein? Léo, le camion, a apporté les pièces pour le camion à eau. Assemblons le châssis. Fixons les ailes à la carrosserie. Voici les essieux pour les roues. Deux roues d'un côté et deux de l'autre. La cabine, les phares, les portes. La citerne d'eau. Le tuyau. Et les arroseurs. Ils doivent être fixés des deux côtés du camion. Hourra! On va l'allumer! Tous les robots veulent voir comment fonctionne le camion à eau. Mais ne devons-nous pas remplir le réservoir d'eau? Les robots, ne vous battez pas! Venez, allons au lac! Allez, restons calmes. Quelqu'un d'autre pourra le conduire la prochaine fois. Le robot violet met le tuyau dans l'eau. On fait le plein de la citerne. C'est terminé.
Le camion est venu pour arroser le potager. Regarde, l'eau coule des arroseurs. Le camion arrose les parcelles vraiment rapidement. Bien joué, robot. Toutes les plantes ont été arrosées. Mais nous avons chaud maintenant. Ah, si seulement quelqu'un pouvait nous arroser. Les robots ont une idée. Chauffeur, fais demi-tour avec le camion. Maintenant, on fait une station de lavage. C'est agréable d'avoir de la pluie par une journée chaude et ensoleillée. Regardez par ici. Un arc-en-ciel. Oh. Scoop veut jouer au foot. Quelle idée géniale. Ils ont arrosé les légumes et peuvent jouer tous ensemble.